Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un ou une abonnée choisit mon make-up. Donc je vais essayer d'aller vite, que ça fasse une petite vidéo courte, mais on va se retrouver certainement avec un make-up de clown à la fin. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez le formulaire à remplir si vous voulez participer. Je fais le tirage au sort quand je fais cette vidéo et je fais le make-up que vous m'avez indiqué dans le formulaire, tout simplement. Donc, cette fois-ci, c'est Myriam, Mimi, qui a encore été tirée au sort. Voilà. Oui, vous pouvez en faire plusieurs hein, si vous voulez, donc voilà. Elle veut un blush marronné et un highlighter vert. Donc jusque-là, tout va bien. Forme du make-up Alois avec la palette Carnival. Donc, elle ne m'a pas précisé laquelle. Donc, j'ai pris la 2. Voilà. La XL Pro. Alors, coin interne orange. Jusque-là, tout va bien. Liner violet. Creux liner vert. Muqueuse rouge. Pâte fossile. Lèvres rose Barbie mat. Et en outre précision, elle m'a marqué rien. C'est juste un make-up. What the fuck? Pour se marrer. J'ai ressemblé à un clown, je vous le dis. Moi. Voilà, donc, ben, je me rapproche et puis on attaque ça. Alors, en blush marronné, du coup, je vais prendre mon bronzer Unexpected Paradise de chez Kiko. Voilà, comme ça, ça fait marron et c'est un petit peu lumineux. Et on va mettre ça en tant que blush. J'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Je trouve que c'est sympa. Donc, j'ai fait mon contouring avec un fard... de contouring, donc ça sera différent. Et comme il est légèrement satiné, ça fera yoli yoli yepince. Voilà pour le blush. Alors, highlighter vert, du coup, j'ai sorti le Be Perfect, le Skin Sheen. Parce que là, plus vert que ça, on peut pas. Il y a plein de petites paillettes. Donc, voilà. Si c'est pas merveilleux. Ouh. Tant qu'à faire, hein, autant faire le clown jusqu'au bout. Voilà. Par contre, sur le nez, je vais peut-être mettre autre chose, hein, sur le bout du nez. Je vais prendre un assez soft. Je prends le mini de chez Becca en teinte opale. Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est le Moonlight, Moonglow, Moon, je sais plus quoi. Moonstone, voilà. Parce qu'il est un peu plus champagne clair, quoi. Donc, je vais prendre un autre doigt pour en mettre un peu sur le bout de mon nez et sur mon arc de Cupidon. Enfin, pas trop mettre des paillettes partout, hein, surtout pas sur le bout du nez. Donc, tu veux le coin interne orange pour les autres teintes, tu m'as donné que pour les liners. Donc, on va commencer directement par le coin interne et je vais prendre le Lit, donc, qui est ici. Hein, c'est le seul orange, mais c'est un magnifique orange. Donc, je vais mettre ça en coin interne. Comme ça, on va voir où ce qu'on va après. Parce que, vu les teintes de liner, je ne sais pas comment ce qu'on va incorporer du vert et du mauve. Hein. Non, du bleu et du mauve. Attendez. Non, vert et violet. Voilà. Ensuite, tu veux du vert et du violet. ça va être compliqué à associer. Hein. Alors... ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre le vert The Hype, ici, qui est un magnifique vert, que je vais mettre donc du coup en coin externe. Donc je vais garder une forme assez, assez droite ici en dessous, où on estompera au-dessus, mais en dessous je garde comme ça. Oh, ça fait un petit temps que je n'ai pas utilisé cette palette. Et j'aime toujours autant cette qualité de fard. C'est un truc de fou. Donc toujours pareil, un aiguille de petit cochon, c'est pas moi, c'est Lilou. Alors, je prends un pinceau estompeur pour blender le dessus. Et la paupière mobile. Je donne quand même un tout petit coup d'estompage en dessous, mais vraiment très léger. Hein. Je garde le même pinceau estompeur et je prends la teinte Ecstasy. Un tout petit peu, parce que c'est du pigmentation de malade, hein, pour ben, dégrader. Je vais dégrader un tout petit peu sur la paupière aussi, avec l'Ecstasy aussi, là.
Ok, alors avec un petit pinceau, je vais essayer de trouver un tout petit boule, mais assez touffu, ou un plat, assez touffu, je sais pas, je cherche. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre la teinte Kin, c'est ça, hein, ouais, Kin, qui est le jaune, pour dégrader le creux ici, et pareil sur la paupière. J'en profite pour dégrader mon rangé. Je donne un coup d'estompeur propre donc sur le jaune et sur le vert. Avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte. Je vais prendre la teinte dorée Fortune. Pour mettre là où j'ai pas de fard. Voyez le doigt. Bon, il se prélève hein, au pinceau celui-là, mais il faut plonger plusieurs fois, donc les doigts, c'est plus rapide. Alors, avec mon estompeur propre, je blende ici. Avec le jaune, je blende ici. Et avec le vert, ici. Bon, pour l'instant, ça va. Les teintes, ça s'accorde plus ou moins. Je prends un pinceau pour le ras de cils et je vais prendre la teinte Wasted, donc qui est de la violette, de la palette, pour faire moitié. La muqueuse rouge, ça va être carnaval. Hein. Faut vraiment que je fasse un make-up orange et mauve. Je crois que j'ai pas fait encore. Mais j'adore, ça va trop bien ensemble. Donc je l'étire un peu en externe comme ça. Tant qu'à faire, hein. Écoutez. On va faire une forme qui se voit aussi. Hein. Alors j'essuie mon estompeur et je commence déjà à dégrader un peu le dessous. Je prends. Bah, je garde le. Celui où j'ai utilisé le jaune. J'essuie. Et je vais prendre la teinte make-up pour dégrader le violet. Donc assez léger. Voilà, avec mon pinceau pour le coin interne que j'y suis, je prends du coup l'highlighter Fairplay pour mettre par-dessus le orange de mon coin interne. J'en ajoute un peu au centre de la paupière. Voilà, je vais pas en mettre sous le sourcil. On va éviter les chenilles luisantes, les verres luisants aujourd'hui parce que je crois qu'il y a déjà pas mal de choses. Hein. Écoutez, je crois que pour les fards, on est plutôt pas mal. Donc, j'ai mis mon crayon noir en muqueuse supérieure en attendant que ça transfère. Donc, tu veux un liner violet et dans le creux du vert. Magnifique. Donc, j'hésite entre le pastel et le néon. On va aller dans le néon. Donc, je vais commencer par le liner classique violet. Donc, je me baisse un petit jeton ici, sinon vous ne voyez rien. Je prends mon coussin pour le stabiliser et on y va. Donc, liner classique en violet, c'est parti. Donc là, on va vraiment être dans le thème super kitsch. Hein. Et puis, je le fais bien grand comme ça, on le voit bien bien quoi. C'est jamais qu'il passerait inaperçu. Alors, je vais juste l'étendre vers le bas. Je me suis foutu dans les yeux. Pas le moment de foirer une merveille pareille. Ok, on va passer au vert. Bon, oh, attendez, faut que j'essuie mon jus parce que ça pique. Ça coule. Merde, voilà, du coup, ça a transféré. Bon, la muqueuse rouge, de ce côté-là, on est bon. Hein. Bon, je rectifierai la bavure après. Alors, dans le creux du vert. Magnifique. Ça va être très beau. Voilà. C'est splendide. Alors, je vais faire un trait à l'intérieur des deux violets, là. Pour faire un petit rappel, hein, tant qu'à faire. Voilà, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de couleurs encore.
Ah oui, et si vous achetez que la palette néon, pour ceux qui me demandaient, vous avez le blanc à l'intérieur, vous mélangez les couleurs avec du blanc, ça vous fait les pastels, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Hein. Voilà, comme ça, économie, économie. Voilà, alors, je vais quand même reprendre le violet et refaire un trait en dessous du vert ici. Vous ne me voyez plus quand je me redresse. Pour équilibrer aussi. Je rajoute de la couleur, hein, tant qu'à faire. Alors, à moi, il est trop sec. Ok, on n'est pas trop mal. Bon, c'est pas le genre de make-up que je pourrais reproduire. Hein. Voilà, va juste attendre. Il va falloir que j'attende que ça sèche pour donner un coup de verre ici. Mais je crois qu'on est déjà pas mal. Hein. Du coup, en muqueuse, je vais mettre. J'hésite entre. Ouais, je vais mettre celui-ci. C'est pas un rouge. J'ai pas de crayon rouge. C'est un framboise. Mais ça passera. Je vous remonte un peu. Oh, ça va, il fait presque rouge quand même. Alors, rectifier ma petite rature. Mascara, donc toujours les mêmes. Ils sont listés en barre d'infos. Et sur les lèvres, du coup, du rose matte Barbie, ben, je vais mettre le Shine and Loud, c'est ça, hein. Line and Loud de NYX en teinte Pretty Please. C'est le plus Barbie que j'ai et je l'adore. J'ai le Anastasia aussi, mais il est un peu plus fuchsia. Non, je vais mettre celui-ci, je l'ai mis de trop. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Voilà le make-up final. Mimi, j'espère que ça te plaît. Finalement, ça fait pas si clown que ça. Je trouve que voilà, The Queen a géré la chose encore une fois. J'aime bien. J'aurais pas pensé associer toutes ces couleurs ensemble. Et finalement, j'aime bien. Voilà. Bon, après, j'aurais peut-être mis autre chose en rouge à lèvres. J'aurais peut-être mis du nude quand même, tu vois, pour genre bah, atténuer les choses. J'aime bien. Donc voilà, Mimi, j'espère que ça te plaît aussi. C'est vrai que l'orange et le violet vont très bien ensemble. Le orange et le vert vont très bien ensemble. Voilà. Je pensais pas à ça du tout. Au final. Bon, j'aurais changé la couleur de la muqueuse aussi. J'aurais soit mis du violet aussi. Ou du noir. Ou voire même du doré. Ouais. Mais j'aime bien. Donc, je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mimi, j'attends ton commentaire pour pouvoir l'épingler. Et voilà, donc, vous avez toujours le formulaire. Hein, depuis le début de la vidéo, il n'a pas bougé. Pour participer, n'hésitez pas à en faire plusieurs, à me mettre des thèmes ou pas. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs hyper poussés. Hein, voilà, ça peut être très soft. Voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore tourner parce que j'adore imaginer ce que vous avez envie. Et là, ça m'aide puisque vous me donnez des petites pistes. Et voilà. Et puis, au moins, je peux parler à chaque fois d'un petit abonné qui me suit. Mimi me suit depuis très longtemps. Mimi est là à chacune des vidéos à laisser son petit commentaire, toujours gentil et bienveillant. Elle est souvent présente sur les lives et tout ça, tout ça. Donc, voilà, il y a des pseudos que je connais pas, mais il y en a que je connais très bien. Et j'adore que ce soit un pseudo que je connaisse ou pas. J'adore faire cette vidéo et j'adore vous partager un make-up rien qu'à vous, une fois de temps en temps. Donc, voilà. Sur ce, n'hésitez pas, enfin, n'oubliez surtout pas de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous.